Gloire et louange, Alléluia. Gloire et louange, Alléluia. Alléluia. Gloire et louange, Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire. Alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Que le Seigneur nous bénisse richement. Nous nous levons et nous lisons dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes au chapitre 100, psaume chapitre 100, nous disons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter Seigneur, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Sois une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. C'est notre désir, notre Père et notre Dieu, d'être agréable au Sauveur dans notre marche, dans notre vie de tous les jours, Père. Comme un parfum de bonne odeur devant toi, c'est ce que nous désirons, Père Saint-Dieu, dans notre vie. Puisses-tu vraiment nous accorder cette grâce. Sois béni parce que tu le fais, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu agis parmi nous davantage, mon sauveur bénémoine Père Saint-Dieu, pour nous faire en sorte que nous puissions atteindre le but pour lequel tu nous as appelés, Seigneur. Oh Dieu, d'être saint, mon bénémoine Père, tu es irrépréhensible et aussi sans tâche, moi. Que ton nom soit exalté encore ce soir, de nous avoir permis de pouvoir nous retrouver encore dans ta maison à toi, Père, oh Dieu, où nous pouvons nous exprimer davantage par au travers des chants et des cantiques, mon bénémoine Père Saint-Dieu, que dans notre cœur, tu puisses aussi voir l'amour que nous avons à ton endroit, Père Saint. Merci pour mon frère et merci aussi pour ma soeur. Merci pour ton soutien. Merci aussi pour la puissance qui dégage encore parmi nous, Père Saint-Dieu. Merci aussi pour la guérison, bénémoine Père Saint, que tu nous apportes. Nous sommes heureux, Père, et nous sommes dans la joie de voir nous retrouver ensemble, Père oh Dieu, et de tout notre cœur pour chanter les chants de Sion et aussi pour te louer, t'exalter, te glorifier, Père Saint-Dieu. Béni sois-tu encore pour nos frères et soeurs qui sont en connexion, Seigneur. Tu as toujours été avec nous, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous prions aussi pour eux, Père, que là où ils sont aussi, bénémoine Père, tu puisses qu'ils soient aussi consolés et fortifiés aussi davantage, mon roi, parce que c'est vrai, ce n'est pas facile d'être là derrière l'écran, mon bénémoine Père, tu puisses Dieu, mais nous prions pour eux, mon bénémoine Père, tu puisses qu'ils soient aussi fortifiés, mon roi, dans leur maison, dans leur lieu de travail, dans le lieu où se trouve Père Saint, que tu te souviennes de chacun, de chacune d'eux, Père Saint-Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous avons besoin de cela, Père Saint-Dieu, pour pouvoir nous sentir aussi être fortifiés. Oh, merci parce que tu n'as jamais cessé de pouvoir le faire. Merci pour le cantique, merci aussi pour le psaume, merci pour tout ce que tu as fait, que tu feras encore davantage, mon roi. Puissions encore agir encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous rendons gloire à notre Dieu pour sa bonté
son amour et ses compassions aussi, et sa grâce et sa bonté aussi à un autre endroit. Comme il nous a dit qu'il est miséricordieux, là la colère est riche aussi en bonté. Il est notre souverain bien, il nous soutient, il nous fortifie, il se soucie de nous, il prend soin de nous. Quand nous sommes tristes, c'est celui qui nous console. Quand nous sommes malades, c'est aussi celui qui nous guérit. Il a dit vraiment avec assurance pour nous que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a guéri de toutes tes maladies. C'est pour ça que nous sommes confiants, peu importe ce qui peut être au dehors, mais nous sommes à l'intérieur. En Christ notre Seigneur, tout va toujours très bien. Il soit donc béni et exalté de tout notre cœur. Nous l'aimons. Hein. Nous voulons vraiment lui exprimer toujours de la reconnaissance chaque jour qui passe. Et nous le remercions pour sa sagesse parce qu'il a toujours dit des choses qui sont merveilleuses à notre endroit. Si simplement nous pouvions nous accrocher que chaque chose, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Notre souci, c'est de pouvoir simplement l'aimer. Et ce qui peut arriver autour, c'est pour toujours notre bien. C'est pour ça que nous sommes consolés d'avoir ce Seigneur avec nous. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de pouvoir l'adorer, notre Seigneur. Oui. Nous sommes heureux parce que vraiment, c'est une grâce de pouvoir l'avoir. Et nous nous sentons bien. Avec lui, nous disons que toutes choses sont possibles. C'est un privilège énorme. Nous aimons notre Seigneur parce que lui nous a aimés le premier et il n'a pas eu à pouvoir vraiment regarder à lui-même. Et il a regardé à nos infirmités, à nos faiblesses. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Parce que réellement, nous étions précieux pour lui. C'est pour ça que quand il a prié, il a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Si ce n'est le fils de la perdition, parce que celui-là, tu ne me l'as pas donné. Je n'ai gardé tous en ton nom. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tous ceux que tu m'as donné, je les ai gardés en ton nom. Qu'il soit béni, notre bien. On est bon. Nous le remercions aussi pour toutes circonstances qui peuvent nous arriver. C'est pour ça que nous voulons prier pour notre frère Joris, vous le connaissez? Oui, c'est notre précieux frère. Il a perdu sa grand-mère. Et sa grand-mère, c'est la personne qui l'a vraiment élevée. Et il a aimé cette grand-mère comme étant sa propre mère parce qu'il est orphelin depuis son bas âge. Perdu le père et la mère aussi. Mais c'est la grand-mère qui l'a élevé. Donc la personne que notre frère Joris a perdue, c'est vraiment une personne très importante et spéciale qui a marqué sa propre vie. Et c'est pour ça que nous prions que le Seigneur, notre Dieu, le console. Et nous réalisons combien c'est douloureux aussi. Parce que quelqu'un qui vous a fait marcher alors que vos parents n'étaient plus là, qui ne vous a pas rejeté, mais qui vous a pris aussi. C'est très douloureux de le perdre. Nous allons prier pour lui et pour aussi sa famille. Notre Père Céleste est notre Dieu. Tu es vraiment le Dieu de consolation. C'est pour ça que la mort n'est pas venue de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce que c'est la chose que tu ne voulais pas pour l'homme que tu as créé, mon Seigneur. Et aujourd'hui, nous pouvons réaliser combien la douleur est tellement grande pour notre frère Joris de perdre sa grand-mère et qu'elle a aimé toujours beaucoup, Père Saint-Dieu, une personne d'une très grande importance pour lui dans sa propre vie parce que c'est elle qui l'a élevé parce que étant orphelin, ayant perdu son père et sa mère dès le bas âge, au bénéfice de répartition, c'est la grand-mère qui s'en est chargée. Oh, Dieu du ciel, tu sais récompenser ceux qui font le bien. Pour tout cela aussi que tu aimes, mon bien-aimé Père Saint,
Que tu puisses le consoler aussi, mon bien-aimé Père Bisson. Consoler aussi le membre de la famille, Père Dieu, qui sont aujourd'hui dans la tristesse et dans le deuil, en pleurant et étant déchirés de cœur. C'est vrai, la mort est une séparation, et parce qu'on s'est dit que ces personnes que nous avons aimées, nous ne le reverrons plus. Oh Dieu du ciel, que tu puisses le consoler, le soutenir encore davantage. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui nous fortifie aussi, Père. Si nous ne t'avons pas connu, nous serons tellement désespoirs. Mais tu nous as dit, prenez courage, qu'il soit aussi béni notre frère et toute sa famille entière. Car nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous remercions Dieu pour toutes choses qui nous arrivent aussi également. Mais je tiens aussi à remercier, ça c'est vraiment tout mon cœur aussi, comme je l'ai fait aussi pour vous, mais il y a notre sœur Carole de Canada. Ah oui, celle-là, vraiment, que le Seigneur la bénisse. Oui, c'est vrai, elle fait un travail exceptionnel. Vraiment, c'est de tout son cœur qu'elle se donne à pouvoir écouter les prédications. Ce n'est pas facile. Vous savez, le nombre d'heures que je me tiens ici devant pour les enseignements et tout ça. Mais cette sœur Carole, que le Seigneur la bénisse avec son mari, notre frère Yvon, parce que ce n'est pas facile, hein. Elle pouvait aussi faire d'autres choses à la maison, mais elle vient, elle prend les écouteurs. Non, que Dieu te bénisse, ma sœur Carole. Et elle écoute, elle tape, elle va corriger aussi, donc elle fait tout, mais de tout son cœur. Amen. C'est comme cela que nous avons quand même aussi beaucoup de brochures aussi qui ont été donc éditées. Elle, avec notre frère Zaché, notre sœur Marquette aussi, qui travaille aussi dans la collaboration aussi pour cela. Et nous voulons vraiment, je prie que Dieu la bénisse et que le Seigneur vraiment la fortifie encore davantage. Elle est vraiment précieuse pour nous. Ouais, nous prions Dieu qui est. Et Dieu est bon parce qu'il le soutient, elle est vraiment aussi attachée au Seigneur. Et tout son cœur, c'est cela aussi notre consolation. Si vous permettez, je voudrais prier pour elle aussi. Tendre Père et précieux Sauveur, tu nous as donné une précieuse, notre sœur Carole, mon bien-aimé Père. C'est pourquoi je me tiens aussi debout ici, dans ta maison, pour te remercier pour ce que tu as fait. C'est un don que tu nous as donné pour cette sœur, mon bien-aimé Père Dieu. Là-bas au Canada, elle est là, en train de pouvoir travailler, écouter. Elle aime ta parole, Père Saint-Dieu. Depuis le jour où tu as accordé la grâce qu'elle puisse connaître cet endroit et s'y attacher avec détermination, c'est son assemblée, c'est son lieu, parce que c'est toi qui l'as eu à pouvoir la conduire en cet endroit. Et tu lui as accordé aussi la grâce de pouvoir lui redonner aussi son mari, notre précieux frère Yvon, Père Saint-Dieu. Oh Jésus-Christ, mon roi, non seulement cela, tu ne t'es pas arrêté, mais tu lui as redonné tous ses enfants, ses petits-enfants. C'est un miracle, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, ce que tu as fait et tu fais dans sa vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que tu puisses la bénir, Père, la récompenser pour ce qu'elle fait pour toi, bien-aimé Père Tibissant, pour cette œuvre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui se souvient, tu le consoles aussi, Père, en lui montrant que tu la connais. Nous te sommes reconnaissants. Je t'en suis vraiment reconnaissant, Père, de tout mon cœur, car j'ai ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et il y a également aussi notre sœur, c'est l'épouse de notre frère Modestie. C'est notre sœur Jeanne. C'est que le Seigneur vraiment la bénisse richement. Elle ne parle pas beaucoup, hein. On la voit pas beaucoup, on la sent pas beaucoup, mais elle pose des actes. C'est vrai. Vraiment, que le Seigneur te bénisse, ma sœur Jeanne, qui te récompense vraiment beaucoup pour tout ce que tu as fait, parce que tu l'as toujours fait de tout ton cœur. Oui, je te remercie beaucoup. Que le Seigneur te bénisse et qui te récompense aussi. À toi aussi, ta famille aussi, avec ton mari, notre précieux frère Modeste, ainsi que aux enfants que nous aimons beaucoup. Oui, frère Modeste, il a fait un travail. C'est merveilleux quand on peut le voir avec ses enfants. Ils sont polis. On est heureux, hein? Quand on a des frères comme ça. Et
c'est une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir avoir un bien-aimé comme cela. Je ne vais pas non plus oublier notre sœur Patricia. Amen. Et vous savez pourquoi. Hein? Vous faites parfois des choses, vous dites que bon, je ne peux pas le savoir, mais j'arrive quand même. Notre sœur Patricia, c'est une sœur particulière. Amen, amen. Oui, que Dieu la bénisse richement. Et le frère et sœur le savent aussi, les anciens. Ils savent ce qu'elle fait. Et quand elle est quelque part, que Dieu la bénisse. Elle trouve un travail, elle veut que les autres aient du travail. Elle l'aide beaucoup, hein. Elle ne parle pas beaucoup. Mais notre sœur Patricia, il est engagé quelque part, elle veut que ses frères. Elle cherche pour ses frères. Non, sœur Patricia, que Dieu te bénisse. Te bénisse richement, vraiment, Seigneur. C'est très touchant. Ouais. C'est vraiment vrai. C'est la voix des frères et des sœurs comme cela aussi, hein, qui de tout leur cœur arrivent à pouvoir aussi réjouir aussi nos frères et sœurs. C'est tracasse aussi pour les uns, pour les autres aussi. Que le Seigneur bénisse aussi notre sœur Marie Chaboui. Amen, amen. Oui. Moi, je suis content. Hein. Je suis heureux, mais c'est vrai, frères et sœurs. Vous savez, il y en a de ceux aussi qui posent des actes comme ça, et vous êtes là assis, et puis vous venez quand même. Rien pour vous. J'ai pensé, j'ai fait, voici aussi. Je ne peux pas oublier, en fait. Ouais, parce que j'ai dit, c'est une grâce que Dieu m'a accordée de trouver grâce aux yeux de frères et sœurs. Prends pas cela comme s'ils doivent, je ne suis pas quelqu'un d'important. Mais c'est une grâce que moi j'ai trouvée, que le Seigneur touche le cœur de l'un de l'autre aussi pour qu'il m'assiste d'une certaine manière ou d'une autre. À vous tous, je vous remercie encore. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous rende cela au-delà de centuple. Hein, c'est que ma consolation et ma joie, c'est de pouvoir vous voir toujours heureux. Amen. Et c'est une grâce que Dieu m'a accordée de pouvoir vous avoir. Je n'oublie personne, vous savez, mais comme je disais, je dis toujours, en général aussi, merci à tout un chacun de vous, et d'une manière ou d'une autre aussi, pour tout ce que vous avez fait tout au long de l'année passée, mais que vous continuez encore à faire cette année-ci. Parce que je crois que c'est notre vie, en fait. Ce que Dieu a fait aussi pour nous. Oui, je ne peux pas t'oublier, ma sœur Evelyne, pour les noix que tu m'apportes. Merci. Que Dieu te bénisse, ma sœur Evelyne. Merci beaucoup. Nous allons lire dans les livres de Deux Chroniques. Nous prendrons dans Deux Chroniques au chapitre 6, je pense que c'est cela. Deux Chroniques au chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 12. Deux Chroniques 6, verset 12. Nous lisons. Salomon se plaça devant. Vous y êtes ? Amen. Merci. Salomon se plaça donc devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit donc ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées et large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça et s'est mis donc à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu donc parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Amen. Précieux Sauveur et Maître, nous voulons te dire merci.
quand nous pouvons voir des hommes que tu avais établis comme rois se mettre ainsi à genoux et lever leurs mains vers toi devant le peuple bénin Père Saint-Dieu pour reconnaître ta seigneurie. Oh Dieu, nous te demandons grâce. Aide-nous, Père Saint-Dieu, à pouvoir avoir cette humilité, pouvoir réellement reconnaître que tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant. C'est vrai, cet homme a pu réellement réaliser que tu es vraiment Dieu. Père, il a pu regarder, faites-moi voir aussi ce que tu avais à pouvoir déclarer de ta bouche et que tu es resté fidèle à ta parole. Bénis-nous encore ce soir, que nous puissions avoir ce respect, cette crainte, cette reconnaissance dans notre cœur. Et étant rassemblés aussi dans ta maison, Père, nous voulons vraiment nous laisser conduire par toi et que tu nous donnes cet esprit de soumission à ta parole, Père Dieu, d'obéissance à ce que toi tu nous dis. Béni soit ton Saint-Nom, aide-nous, Père, car je te demande cette grâce au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce que nous venons de lire, c'est ce qui s'est passé, et effectivement, Dieu est toujours un Dieu qui est véritablement fidèle. Nous l'avons dit, et surtout parce que les Saintes Écritures nous l'ont fait savoir, et c'est cela que nous avons eu à pouvoir observer aussi, ce que les Saintes Écritures disent en rapport avec Dieu lui-même. Et nous savons et que nous voyons que dans les Saintes Écritures, dans le livre d'Apocalypse, en rapport avec notre Seigneur, on nous dit que son nom est donc fidèle. Donc il ne pourra jamais être infidèle. Parce qu'il est lui-même fidèle. C'est son nom en fait. Et la Bible nous fait comprendre aussi qu'il reste donc fidèle à sa parole, à ses promesses, malgré notre infidélité. Donc effectivement que c'est avec un tel être effectivement que nous pouvons avec confiance nous approcher de lui et ayant aussi l'assurance et la certitude que ce qu'il sort de sa bouche effectivement ne peut pas être quelque chose qui n'a pas d'importance. Quand on a compris cela effectivement, on veille à ce que nous entendons, ce qu'il va dire. Et c'est pour ça que je crois que c'était un Romain qui était là, mais je crois qu'il avait un grade effectivement donc dans l'armée et il disait donc parce que son serviteur était donc malade et alors il est venu d'abord vous remarquez très bien si vous lisez très bien dans les évangiles effectivement vous verrez que c'était quelqu'un qui était de bon cœur. Et alors, il ne pouvait pas s'approcher du Seigneur lui-même. Il a eu à pouvoir, effectivement, parler à ceux qui sont donc de juifs, effectivement. Donc, il avait connaissance pour l'approcher, lui, et lui parler, effectivement, aussi. Donc, on nous montre aussi, effectivement, aussi, l'autre phase dans laquelle il a demandé en disant qu'effectivement, que son serviteur, donc, était malade. Donc, vous pouvez voir, effectivement, comment cet homme avait dans son cœur les sentiments qu'il éprouvait, puisqu'il était comme, je pense peut-être un lieutenant ou un général, je ne sais rien effectivement son niveau de grade, mais dans la cohorte romaine effectivement aussi, on peut dire qu'il avait des soldats, il pouvait se dire, bon, si là elle est malade, qu'est-ce que j'ai à faire avec? Donc on pourra me remplacer à un autre. Mais il n'était pas comme ça. Il s'est soucié effectivement de son serviteur. Ça veut dire qu'effectivement, qu'il avait vraiment un cœur tout à fait différent des autres, effectivement. Il avait des sentiments. Il considérait ces gens-là pas comme des arbres, mais il considérait ces gens comme étant des hommes. Et c'est ce que Dieu aime. Et alors, voilà que son serviteur était malade. Il n'est pas resté insensible pour dire, bon, ben, on va changer tout à la maison. Non. Il a voulu s'occuper de son serviteur. C'est pour ça qu'il est allé là. Il a dit, mais Seigneur, mais mon serviteur est vraiment malade. Alors, le Seigneur donc a dit, bon, ben, je vais donc venir pour pouvoir le guérir, effectivement, puisqu'il est malade. Mais c'est à ce moment-là que vous connaissez, effectivement, ce qu'il a eu à pouvoir répondre. Dit, c'est toujours très impressionnant, en fait, quand ces hommes-là, qui sont quand même des étrangers, et qui n'ont pas été de la possédée d'Abraham, effectivement, mais des étrangers qui étaient venus, et en plus de Romains. C'est surprenant. Alors, il entend simplement ces Romains qui lui disent, je ne suis pas digne, parce que le Seigneur n'avait pas dit, bon, je ne vais pas venir. Il a dit, je vais venir. Alors, il était aussi touché de voir que normalement, un juif ne peut pas entrer dans la maison d'un païen. Est-ce que vous comprenez? Vous vous souvenez quand même, quand ils sont allés voir le prêtre, en fait, avec il nous a interdit.
Et aussi quand Pierre aussi a parlé aussi à Corneille. Alors il dit, bon, je vais venir. Il lui dit, non, je ne suis pas moi digne que tu entres dans ma maison. Alors, si tu ne veux pas que je rentre dans ta maison, et si tu as un serviteur qui est malade, qu'est-ce que tu veux? Non, parce que Dieu, je veux venir. Tu me dis que non, je ne suis pas digne parce que je suis un étranger, que Dieu le bénisse. Je suis un souillé, je ne peux pas te recevoir, toi. Alors, parce que le Seigneur lui montrait que je peux venir. Mais alors, il dit non, tu ne peux pas entrer dans ma maison. Mais simplement, si tu peux dire un seul mot, ça touchait quand même le Seigneur de voir les degrés de la confiance, alors qu'en Israël, on les traitait des fils de bâtards, de ceci et cela, procédés, tout ça. Donc, personne n'avait confiance en lui. Parmi les grands religieux, vous connaissez cela, donc on ne va pas revenir. Donc, il voit un étranger qui lui dit... Je ne suis pas digne que toi tu viennes, parce que moi, dit, et puis, il lui répète en disant, mais si toi, tu dis seulement un seul mot. Et je suis sûr et certain que mon serviteur, qui a l'été, sera guéri. Même parmi nous qui avons la foi ici, même parmi nous qui prions le Seigneur ici, hein? Que Dieu vous bénisse. Quand on est sincère, c'est bon. Dieu nous délivre, en fait. On se rend compte qu'on ne peut même pas dire une chose comme ça, que Seigneur, c'est ma cause, je me dis, c'est ma... Non, mais un païen, un étranger auquel là, hein, mais il dit, ça me dit simplement un seul mot, je suis sûr et certain que mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur le regardait. Il dit, mais comment tu peux être sûr et certain? Il dit, mais parce que moi, ici, comme je suis... Que Dieu te bénisse. Parce que moi, étant un général comme je suis, quand je donne un ordre à un soldat, le soldat l'a exécuté. Oh oui, oui. Et toi, tu es Dieu. Tout ce que tu dis doit arriver. Vous voyez le degré de l'enfant, mon frère? Si Dieu peut nous aider à ce que nous arrivons à ça, nous, frères et sœurs, jusque ça, on n'aurait pas peur de couronne. Nous marcherons, frère. Oui, peu importe qui écoute, nous importe. Nous marcherons, frère. On tremblerait devant rien. C'est la vérité. On tremblerait devant rien, frère. Que nous importe? Que ça même, oh, ça a touché, c'est pas un problème. C'est comme des mouches, on fait comme ça. Oui. Parce que ce n'est pas nécessaire de me poser la question, frère, parce que, est-ce que je peux? Je dis, mais moi-même, je t'attends pour... Mais c'est moi qui dis ça. Et c'est la vérité. Alors, vous vous rendez compte que vous... Je vais vous donner un exemple. Parce qu'on dit, ah, frère, parce que les gens disent, oh, j'ai entendu, oui, c'est celui que vous suivez, il est toujours, il n'aime pas, papa, vous comprenez, en fait. Mais nous marchons sur les Saintes Écritures. On n'oblige personne. Mais c'est les Saintes Écritures. Alors, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. C'est pour dire que vous faites ce qui vous semble bon. Mais nous cherchons à faire ce que Dieu nous dit de pouvoir faire. Ça, c'est ce qui est nécessaire. Donc, c'est-à-dire que nous croyons au Seigneur. Et nous avons foi et confiance au Seigneur, notre Dieu. Et je disais tout à l'heure, j'ai dit, bon, pour que vous puissiez un peu voir un peu l'image. Parce que parfois, vous ne réfléchissez pas. Mais cet homme, que Dieu le bénisse, il a bien réfléchi. Regardez une chose. Vous êtes dans votre maison. Vous avez des enfants. Vous avez un fils. Il est allé dans un transport en commun. Je dis bien transport en commun, parce que c'est les communs. Pas ici. Commun, transport en commun. Et là, il revient à la maison. Et puis, on le touche de pauvres choses là en main. Et puis, je me dis, ah, il est positif. Alors, vous allez dire, maintenant là, quand tu ne viens plus chez moi à la maison, va ailleurs, va habiter ailleurs pendant, je ne sais pas moi, si tu es en quarantaine dans 10 jours, cherche quelqu'un d'autre chez, c'est un endroit. Non. Vous allez le faire comme ça? Non, jamais. Franchement. Vous êtes papa, non? Oui. Vous allez chercher votre fils dans votre maison? Non. Ni même votre fille dans votre maison?
Vous allez l'entourer. Il dit, même si ça n'a pas passé, il n'y a pas de problème. C'est mon fils, c'est ma fille. D'ailleurs, on vous téléphone, on dit, mais vous habitez avec qui? J'habite avec mon père. Il dit, même vos pères. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, est-ce que ça va être différent? Il faut réfléchir quand on va dire, oui, il exagère. Non, mais c'est la vérité. Si chez vous, à la maison, vous ne pouvez pas les chasser, et moi, vous me demandez, il ne faut même pas me poser la question. C'est même pas, est-ce que, bah, je pose la question, est-ce que votre fille, vous la maman, papa, je peux entrer dans la maison? Je me pose la question, il va, mais tu dis, mais moi, tu, ça ne va pas, non? Tu me poses encore la question, tu habites où ici? C'est chez toi, là. Et qui t'a chassé de la maison? Personne. Eh bien, vous avez chez vous. Oui, c'est, mais c'est la vérité. Mais non, c'est la vérité. C'est rien anormal. Ne veux pas dire, voilà, restez, 40 jours. Non. Moi, j'ai dit, moi, tu cherches ton fils et tu fais tes enfants à toi. Et je vais laisser, ils sont, moi, je vais me mettre où? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous voulez qu'ils soient avec vous? Eh bien, peu nous importe. C'est cela que vous devez comprendre. Nous sommes des fils de Dieu. Amen. Et nous avons une façon de pouvoir voir les choses tout à fait simplement. Et comme je disais, ça ne sert à rien de pouvoir avoir peur. D'ailleurs, ce que j'ai entendu, c'est que les spécialistes ont dit, pas moi, ils ont dit quoi? Que cette année-ci, les microns, c'est les derniers. Parce que les microns, ça montre que c'est la fin de la pandémie. Ça dit que bientôt, vous allez avoir une vie normale. Ils l'ont publié. Moi, je voulais dire, oh, frère, ils l'ont publié. Ça veut dire que cette année, vraiment, il est spécial. Ce qu'ils vous disent, c'est que oui, mais oh, quand vous avez un micro, je sais pas, ça fait blou, 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 blou. Mais ça fait pas grand-chose. Et puis après, à part, effectivement, bah, de toute façon, que ce soit un micro ou Mac, je sais pas, mais vous comprenez, nous, c'est depuis le début. Hein. Nous, c'est notre foi dans les Seigneurs et nous restons persévérants dans cela. Alors, c'est comme ça qu'il a dit, on peut pas dire, c'est mais dis simplement un mot et mon serviteur sera donc guéri. Alors, ça touchait vraiment les Seigneurs, vraiment au plus profond de lui-même. Il dit, c'est quand même extraordinaire. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ah oui. Dis donc, tu as confiance dans ce que moi je dirais. Donc si j'ai dit qu'il soit guéri, tu es sûr et certain, il sera guéri. Juste ce que je parlerai. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que cet homme a eu à pouvoir avoir comme révélation? Donc il a regardé l'homme qui était debout. Que tous les Sanhédrin voulaient crucifier, même qu'ils détruisent effectivement, qu'ils disent, mais il ne voit absolument rien. Lui, il le regarde, il dit, toi ici. Je sais, frère, ça. Alléluia. Il n'a pas dit, bon, probablement, non, je sais. Amen. Comment l'as-tu su? Vraiment. Je sais que toi ici, si tu dis un mot. Frère et soeur, depuis qu'il a vécu là-bas, il a toujours des problèmes. Il n'a jamais été chez les hommes, les pharisiens, c'est pour dire que toi, je sais que si tu dis un seul mot. Non. Non. Pourtant, il a vécu toujours avec eux. Hein? Mais non, mais quand c'est Jésus là est venu, l'homme a senti quelque chose au-dedans de lui. Mais vous savez, Jésus donne la foi. Alléluia pour ceux que Dieu a connus d'avance, c'est sûr et certain. Parce que tu le vois, dis, mais déjà, il suscite et il est le consommateur. Donc il suscite, maintenant c'est écrit, hein. Donc c'est lui qui suscite et qui amène à la foi, à la perfection. Donc il suscite, on dit qu'il est consommateur de la foi. Il suscite. Donc quand tu le vois, il est en présence à toi, c'est fini. Donc tu sais que, gloire à Dieu, toutes choses sont possibles. Amen. Il a fait pour Bartimée, vous vous souvenez, non? Amen. Que veux-tu donc que je te fasse? Eh bien, s'il a fait cela dans les temps passés, et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous aussi, dans notre génération, on ne doit pas avoir une foi comme ça. D'avoir vraiment une grande foi.
Ah oui, c'est cela sur lequel effectivement notre Dieu travaille. Que nous puissions arriver à pouvoir, parce que c'est la confiance que vous placez dans votre Seigneur. Je crois en toi, ce que tu dis. C'est pour ça qu'on entend la parole de Dieu. Je crois en toi, ce que tu dis. Et vraiment, je suis sûr et certain, Seigneur, que ça va s'accomplir. Et le Seigneur voit aussi. Quand il dit que c'est une grande foi, c'est parce qu'il a vu cela. C'était pas une petite comédie, effectivement. Hein. C'est qu'il a exprimé, cet homme-là, c'était la chose qui était dans son cœur. Vous avez entendu la prière de Salomon quand il priait? Il a bien dit une chose qui est très importante ici. Il dit, effectivement, aussi, il dit, mais regardez bien. Il dit, ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que le Seigneur attend de toi et de moi, ce que nous puissions vraiment nous accrocher à lui et marcher avec lui, mais tellement et profondément de tout, quand on dit de tout, c'est tout ce que nous sommes, de tout notre cœur. Parce que nous pouvons nous examiner, nous savons aussi que nous sommes, parce qu'il faut qu'on est sincère, que notre cœur n'est pas tout entier à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la vérité parce que notre cœur, même nous qui sommes assis ici, c'est vrai cela, notre cœur n'est pas tout entier à Dieu. Vous le savez. Parce que vous êtes assis, vous avez encore des programmes, vous dites, mais c'est vrai, si je faisais tout la part, mais comment, qu'est-ce que ma part serait où? Donc en fait, vous êtes là, mais vous avez une... C'est pour ça que dans Ésaïe 29, je crois qu'il le dit cela, regardez très bien. Ésaïe 29, il le dit très bien, parce qu'il connaît, ils sont leurs reins et le cœur. Oui, on se réjouit, on fait ceci, c'est bon ça. Mais regardez très bien. Il dit ici, verset 13, Ésaïe 29, verset 13, il nous fait savoir que le Seigneur dit, vous y êtes, vous y arrivez, hein? Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore, bien sûr de la bouche et des lèvres. Il m'honore, c'est tellement de la bouche et des lèvres. Mais il dit, mais son cœur là est éloigné de moi, son cœur. C'est ça le problème, évidemment, aussi. Hein? Oui, c'est vrai que si on est vraiment sincère, c'est comme ça que je disais tout à l'heure que quand on est sincère, on est vrai, c'est que veut dire qu'effectivement que c'est là que Dieu nous accorde la délivrance, parce que vous dévoilez les démons qui vous accrochent. Il ne faut jamais cacher un démon. C'est pour ça que Dieu te bénisse, ma soeur. Les démons ne sont pas pour vous, que vous soyez avec eux comme des amis, des gens à pouvoir cacher. Ils sont là pour que vous les chassiez. Vous ne devez pas avoir d'amitié, vous ne devez pas avoir de compassion. Non, monsieur. Non, il faut vraiment le chasser. Amen. Mais quand on dit chasser, c'est chasser. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit aussi, plus que je ne sais pas si c'était hier, il me dit, mais au reste que tout ce qui est vrai, soit l'objet, parce qu'il dit que si nous donnons tout ce qui est honorable, tout ce qui est bon, là, toujours hein, l'objet de nos pensées, et pour ça, qu'est-ce que c'est accès à notre cœur. Donc, ce qui veut dire que ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est ce que nous marchons avec lui, mais vraiment de tout notre cœur. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une parcelle de quelque chose, je vous en prie, écoutez, une parcelle de quelque chose hein, que Dieu n'a pas occupé comme terrain. C'est pour ça que le Seigneur a dit, effectivement, que vous connaissez la réponse, il a donné, tu m'as donné tout ton cœur, vous connaissez cela, non? Et puis il dit aussi, c'est lui qui aime son fils. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent, nous sommes tellement durs envers les autres, mais avec nos propres enfants, ah ben oui, vous savez, on doit être sincère. Parce que Dieu voit notre cœur. Bien sûr, mon frère et ma soeur, Dieu voit notre cœur. On doit être fait, parce que c'est ton cœur à toi. Si tu aimes ton fils, ta fille, et ta femme, et tes enfants, ou bien ton oncle, ton grand-père, tout ceci-là, plus que moi. Est-ce que vous comprenez? Je suppose que vous comprenez. Amen. Écoutez bien ce qu'il dit, en fait. Il dit, mais plus que moi, c'est-à-dire que tu l'aimes quand même.
Mais il n'est pas tout entier parce qu'il y a le plus. Donc, quand la femme fait, en fait, c'est ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire que la femme, quand tu dis ça, tu fais, tu ignores même le Seigneur comme pour la personne qui est là. Est-ce que vous comprenez, non? Ce que je veux dire, que ce soit l'enfant ou ce qui est. C'est-à-dire que chacun de nous doit arriver à pouvoir réaliser une chose. Dieu nous connaît. C'est pour ça que nous disons toujours, j'ai toujours donné l'exemple de frère Jonas, à Mervédie avec la sœur. N'oubliez pas cela, évidemment, c'est important, parce que, bon, vous connaissez quand même. Hein? Donc, c'est important, c'était toujours un test pour nous éprouver à nous-mêmes, pour savoir à quel degré nous arrivons. Si Mervédie peut bien ouvrir mon congélateur, enfin, manger tout ça, et que Rocher venir et ouvrir le congélateur, comment je peux ressentir? Mervédie vient, et puis Rocher vient. Rocher mange bien, et puis Mervédie aussi. Je ressens quoi? C'est ça pour nous tous. Et oui. Nous lui disons que l'enfant de mon enfant, c'est mon enfant. C'est une formule. D'une formule, j'ai envie. Et puis si réellement ton enfant, toi là, et qu'il est le mien, si je le reprends, tu ne dois pas commencer à gommeler aussi toi. On dirait que mon fils, comme tous, il y a que ma fille, qu'on parle. Non. Si on le reprend, eh ben, c'est normal. Si c'est la sœur Brunette qui a repris, t'es là, mais c'est ta grande sœur. Ah oui, elle a le droit. D'ailleurs, Brunette, continue d'abord. Ah bon, papa, il faut obéir à ce qu'il t'a dit. Parce que ta grande sœur, elle a le droit. Frères et sœurs, si nous arrivons à cela et que nous sommes sincères, Dieu a pris la place. Sinon, c'est la comédie que nous jouons. Serge, je t'aime. Serge, alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est pas vrai. Non, c'est un amour frontalier. Parce que, aussi vrai que je m'inquiète de mes enfants, je dois aussi m'inquiéter aussi de ceux de ma sœur. Parce que ma sœur. Est-ce que vous vous rendez compte? Ouais, le temps passe vite. Est-ce que vous dites, Dieu d'abord, mais nous. Est-ce que vous vous rendez compte, frères et sœurs, pour la Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. C'est pas une bande dessinée. Hein? Non, c'est la vérité. C'est-à-dire que le cœur du docteur et les miens, ça bat le même rythme. Ça veut dire que ce que moi je sens comme besoin, c'est ce que le docteur ressent aussi. Aujourd'hui, le docteur, il a besoin d'aller au ciel. Il a besoin de voir le Seigneur. C'est aussi le même désir que j'ai. Donc les efforts qu'il fournira pour ses enfants, je dois aussi. C'est la même chose. Sinon, nous sommes en train de vivre individuellement. Non, Dieu ne nous a pas dit comme ça. Il mettait tout en commun. Nous nous aimons et il s'aimait réellement. Non, mais c'est le problème, c'est que ça entre ici, ça sort là-bas. Quand on sort dehors, ah, c'est l'enfant de tel, mais regardez comment il est. Non, regarde comment il s'est habillé. Non, il ne s'habille pas bien, toi. Ça, tu vois, tu dis, tiens, ici, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas non plus, hein. Tu ne dois pas t'habiller comme ça, tu la réponds, tu lui dis effectivement, ne t'occupe pas que ma maman va parler. Non, maman, c'est toi. Parce qu'il doit voir que non, ça, nous sommes dans. Mais nous sommes en nous. Nous sommes. Tes nonos parlent la main. Ma chose, mais pas. Jusqu'à son. Vous les dites, non, frère. Nous les disons tous, hein. Alors, mettons cela en pratique. Que Dieu nous aide, parce qu'un frère, si cela n'est pas, il n'y a pas de progrès en Christ. Ah oui, on est des catholiques et des tonneries, et surtout ce que vous voulez, effectivement, on n'est pas des chrétiens. Ah, c'est surtout ce qu'on est tous mes disciples. Si vous avez quoi? L'amour, les uns, les autres. Donc je me soucie des frères, je me soucie de ma soeur, quand il est bien, et c'est ça la vérité frère, et c'est vrai, Dieu le fait en nous, hein. Si chez vous il n'y a pas, c'est un problème, je me soucie, ce qui va bien, ce qui ceci, cela, parce que vous ne le fabriquez pas, mais ça vient, amen. Et ça doit être ainsi dans chacun de nous, donc c'est ainsi qu'il nous fait savoir effectivement que quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore, mes lèvres, bien sûr que c'est. On est bien assis pour écouter, mais quand on sort, ce qui se passe, c'est que quand on écoute comme ça, on se rend compte que le Seigneur pointe quelque chose. Ne vous dites pas, ah, moi j'ai fait 1840 dans la parole de Dieu, ah, c'est comme si j'ai déjà acquis. Non, monsieur,
Quand tu es comme ça, tu n'as rien. C'est-à-dire que quand tu entends, tu dis, je vais me mettre à genoux. Seigneur, sonde mes reins, sonde mon intérieur. Peut-être que je me suis fait une image de moi-même. Pardonne-moi parce que je veux te voir. Et comme je veux te voir, je crois que ce que tu as dit ce jour-là, ce qui s'est passé ce jour-là à Pentecôte, ça doit aussi être en moi. Parce que frère et sœur, j'ai sauvé le temps. Parce que mon frère et ma sœur, toi et moi, nous ne sommes pas des inconnus de ce que Dieu est. Il nous parle. Et toi et moi, nous savons que pour que nous disions que nous sommes l'épouse, on doit avoir le baptême du Saint-Esprit. Peu importe ce que tu peux penser, mais si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu es étranger. Ce ne sont pas les d'autres choses qui peuvent te faire rentrer. Non, simplement le fait d'être dans cet endroit-là. Et quand on est dans ce corps-là, c'est pour ça que tout un chacun de nous doit arriver à s'examiner et dire, Seigneur, c'est vrai que je pose des actes, mais je me pose la question, je veux savoir, est-ce que cela est vraiment en moi? Parce que si la chose est en moi, c'est sûr et certain que quand je regarde mon frère, quand je regarde ma soeur, je ne vois pas un démon en face de moi. Mais je vois véritablement un fils de Dieu, une fille de Dieu que je peux serrer dans mes bras. Oui, bien sûr. Mais c'est normal parce que c'est normal, mais c'est quand même public. On ne peut pas ne pas faire ce que la Bible dit. C'est difficile pour nous de ne pas faire ce que la Bible dit. Parce que nous vivons par la Bible. Et nous faisons par la Bible. Alors, on peut aider. C'est difficile. Parce que quand vous rentrez dans les habitudes de coups de poing, vous devenez des boxeurs, quoi. Mais Dieu ne nous a pas destinés à être des boxeurs. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que les choses changent et transforment. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas faire autrement que de faire ce que la Bible nous dit de faire. Parce qu'on veut rester simplement dans les Saintes Écritures et d'agir comme ça. Donc, nous disons qu'à ce moment-là, que nous nous mettons à genoux, nous prions, nous disons, Seigneur, seul chez toi, tu n'as pas besoin, Seigneur, je voudrais vraiment que tu m'aides. Parce que tu sais révéler les choses. Je peux avoir des illusions. Tu sais, ce qui m'embête, c'est que sur la terre, j'ai beaucoup d'occupations. Ils m'occupent des choses inutiles. Et patati, patata, dans ma tête, ah, patata, combat inutile. Tu combats toi-même, tu es assis. Tu combats toi-même dans les pensées avec des gens sans que les gens te combattent. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué de combattre comme ça, moi-même, dans le fond. Et ceci. Aide-moi à être en paix. Même s'ils viennent avec les gants de boxe, moi, je ne les vois pas. Aide-moi à être. Mais c'est vrai, frère. Tu as trop combattu dans le vide toi-même. Hein. Tu dors pas bien, tu es dans le combat, tu dors. Ah, il a pensé, je vais aussi. Tout ça, la personne dort tranquille. Mais toi, tu dors pas tranquille. Seigneur, délivre-moi de tout ça. Que je puisse avoir la paix. Donne-moi la grâce d'être aussi dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes, Père Dieu. Nous soupirons après cela. Ce peuple, c'est ton peuple, mon roi. Tu es le Dieu miséricordieux, là à la colère, riche en bonté. Que tu pardonnes, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous avons failli, mon bénémoine, Père du sang, mais nous comptons sur ta grâce. Tu es vraiment miséricordieux, là à la colère, riche aussi en bonté, mon bénémoine, Père Saint. Nous soupirons vraiment après toi et nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta bonté, nous comptons sur ta miséricorde, nous comptons sur ton soutien. Seigneur, tu es roi, Seigneur, tu es Dieu et nous avons besoin de toi. Mon Seigneur, je prie pour ma soeur, je prie pour mes frères, Père Tout-Puissant Dieu, mon frère, je prie pour ce peuple qui est à toi. Nous sommes heureux d'être à toi. Quand je peux voir ma soeur, quand je peux avoir mon frère, oh Dieu Tout-Puissant, le voir dans ta maison, peu importe les conditions, oh Dieu, peu importe la faiblesse, peu importe aussi l'état de santé, mais nous savons qu'avec toi, toutes choses sont possibles. Je suis heureux de voir ma soeur, heureux de voir mon frère, bénémoine, Père Tout-Puissant, soutien, béni, fortifie, mon roi. Oh Dieu, tu as fait de nous un peuple heureux, mon bénémoine, Père Tout-Puissant. Et toi, tu es notre conducteur, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous sommes dans la joie parce que tes promesses sont certaines, mon bénémoine, Père Tout-Puissant. Nous le réalisons et nous voyons aussi, Seigneur, que tu es le Dieu qui veille, mon roi. Merci de nous avoir introduit dans cette année, bénémoine, Père Saint-Dieu, de pouvoir encore
encore. Continue encore d'agir encore davantage, mon Père Saint-Dieu. Mon âme te loue, mon âme t'exalte encore, Père Tibissant, pour ta compassion à notre endroit, bénémoine, Père Saint-Dieu. Aujourd'hui encore, nous te supplions, Père Dieu, qu'aucun ne semble, tu l'as dit dans ta parole à toi, bénémoine, Père Tibissant-Dieu, qu'aucun ne semble être exclu ni arrivé en retard, mon bénémoine, Père Dieu. Je voudrais, ma sœur, je voudrais, mon frère, Père Tibissant-Dieu, dans ces lieux-là que tu nous as placés, mon bénémoine, Père Tibissant-Dieu, nous prions, Père Saint-Dieu, pour que personne ne puisse rester, mon bénémoine, Père Tibissant-Dieu, mais que tous ensemble, nous sommes à toi. Pardonne encore nos péchés, mon bénémoine, Père Tibissant-Dieu. Montre-nous, Père Dieu, et ce qui ne va pas, mon bénémoine, Père Tibissant-Dieu. Nous mettons en ordre, mon bénémoine, Père Dieu, mais que ce cœur puisse réellement te servir, mon bénémoine, Père Dieu. Cette âme puisse réellement t'appartenir, mon bénémoine, Père Tibissant-Dieu, parce qu'il est à toi, mon bénémoine, Père Tibissant-Dieu, et aussi à 100%, mon bénémoine, Seigneur, Dieu. Oh, chaque jour et chaque nuit, à chaque instant, mon bénémoine, Père Tibissant-Dieu, que notre cœur soit donné à toi. Je te demande grâce encore, bénémoine, Père Dieu. Je t'implore la grâce, mon bénémoine, Père Tibissant-Dieu. Nous avons ce besoin, Père. Aide aussi nos enfants, bénémoine, Père Tibissant-Dieu. Ils sont encore jeunes, mon bénémoine, Père Dieu, confrontés à des choses aussi dans ce monde, Père Tibissant-Dieu. Nous te supplions que leur cœur soit vraiment ramené à toi, attaché aussi à toi, mon bénémoine, Père Tibissant-Dieu. Que les diables ne puissent pas les amener, les Père Tibissant-Dieu, Père Saint-Dieu. Mais que toi, qui es notre Dieu, tu as la puissance de les ramener, Père Tibissant-Dieu, à toi. Nous te supplions parce que ce sont les nôtres, Père. C'est pourquoi nous mettons à genoux, Père Tibissant-Dieu, te suppliant, mon bénémoine, Père Tibissant-Dieu, aussi de ramener aussi nos frères et sœurs, mon bénémoine, Père Dieu, qui ont la faiblesse, Père Tibissant-Dieu, mais qui soient aussi fortifiés, mon bénémoine, Père, cette année, si nous le revendiquons aussi, bénémoine, Père Tibissant-Dieu, chacun d'eux, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh, que ton nom soit béni, Père. Merci pour ce temps et le moment que tu nous as donné aussi, Père Saint-Dieu. Nous te louons et nous te remercions, mon bénémoine, Père Dieu, pour ton amour et ta bonté, pour la grâce que tu nous as accordée, Père. Merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et mon grand vieux, il y a un cantique que la chorale chante. À de nouveaux combats, Jésus. Vous connaissez, non? Que Dieu te bénisse encore.